C'est en quelque sorte apporter de la chaleur humaine, apporter de la joie aux autres qui me rend plus heureux. Je suis Pierre Vernet, donc j'ai 21 ans. Dans mon temps libre, je fais partie de plusieurs associations, telles que la Croix-Rouge, donc en tant que secouriste, l'Ordre de Malte, donc responsable des maraudes étudiants jeunes et du pôle secourisme. Je fais également partie de la compagnie Secouer Sainte-Barbe, donc c'est une œuvre éducative pour former et éduquer des jeunes de 14 à 17 ans. J'ai appris en fait cette valeur depuis tout petit, notamment grâce à l'association de la CSSB, la compagnie Secouer Sainte-Barbe. En fait, il y a une valeur, c'est altruisme, efficience et cohésion. Être altruiste, donc c'est penser aux autres avant soi-même. Et pour moi, c'est un peu le mot principal donc de service de l'autre. Efficience, c'est faire beaucoup de choses avec peu de choses. Par exemple, juste avec un thermos ou juste avec un sac, on peut donner beaucoup de bonheur à quelqu'un alors que on n'a pas grand-chose sur nous. Oui, on n'a pas grand-chose des fois à porter, même mentalement, physiquement, etc. Mais ça leur apporte énormément. Et la cohésion, il faut être à plusieurs pour pouvoir œuvrer au service de l'autre. Pour moi, du coup, ces trois valeurs-là, principalement, sont importantes au quotidien, que ce soit dans une œuvre éducative, dans une association ou même dans la vie de tous les jours. Le service du frère, ça m'a vraiment permis de grandir dans ma vie de tous les jours. Par exemple, quand on fait les maraudes, on peut très bien croiser un sans-abri, discuter de la foi avec lui, soit lui aussi nous apprendre des choses dans la foi, nous faire voir une vision différente de la foi qu'on ne pouvait pas avoir, qui peut être très important aussi pour nous, ou inversement, juste nos paroles, nos gestes peuvent également le faire grandir. Ça me permet de donner un sens, on va dire, à ma vie et donner un but également. C'est se sentir utile et de servir à quelque chose et se dire que pour moi, je donne pas grand-chose. Je donne peut-être une ou deux heures de temps pour les maraudes. Et au final, je sais que ça va faire beaucoup plus de bien que le temps que j'ai perdu. C'est en quelque sorte apporter de la chaleur humaine, apporter de la joie aux autres qui me rend plus heureux. Il y a 2 ans et demi à peu près, je faisais des maraudes. On croisait une personne qui voulait toujours qu'on ait le sourire, etc. et qui était toujours posé ou le smile. Et en fait, ça est sorti dans la vie. Et du coup, là, il continue lui-même à aider les autres sans-abri. Juste des fois par sa présence, pas forcément quelque chose de matériel parce qu'il ne peut pas encore se le permettre. C'est vraiment une joie pour moi et même pour les autres maraudeurs de voir quelqu'un qu'on a aidé, qui nous remercie d'ailleurs grandement, car il s'est trouvé un boulot, etc. et qu'il est heureux.